Bonjour à tous, donc c'est Charles de l'atelier RC57. Donc voilà, c'est une nouvelle machine que j'ai rentrée qui va aller d'ici quelques temps chez un ami. En attendant, donc on va la tester un petit peu et puis surtout la réviser, elle a besoin. Donc on voit, comment dire, elle n'a pas eu de l'attention qu'il lui fallait. Pas mal de vis un peu rouillées. Après, l'état général est moyen, malgré qu'elle ait quelques options sympas. Donc en fait, c'est un Max qui a été vendu en roller à la base. Donc monte avec un Max 8 et un 4274 2200 kW. Donc c'est sympa. Voilà, c'est une belle machine avec un beau combo dedans. Donc voilà. Il y a les bras du kit-wide qui ont été montés. Ne sais pas si on va voir comme il faut. Hop, non. Donc là, on voit donc porte fusée alu. Donc voilà, bon, on voit même les cardans un peu rouillés. Voilà, je pense qu'elle est sortie dans l'eau et puis que elle n'a pas été séchée comme il faut, quoi. Bon, ça, on s'en occupera. On contrôlera les roulements, il n'y a pas de souci. Après le dessous, c'est pareil quoi. Les skis ont bien bien travaillé, les triangles aussi sont râpés, mais ouais, elle a vécu quoi. Elle a vécu. Donc là, moi j'ai un souci, c'est que pour tourner en 4S, mes batteries rentrent pas. Donc si je prends. Voilà, si je prends une Gold, je peux pas fermer mon clapet. Même les autres en souple, ça marche pas. Donc, j'ai déjà commandé quelques pièces pour réviser. Juste ranger. Donc comme je dis, j'ai acheté quelques pièces, donc de quoi avoir le bac à batterie plus haut. J'ai acheté des nouveaux skids, donc bah, on va, au pire on va regarder. Et j'ai commencé à installer pour essayer. Donc, voilà, en fait des petites rehausses pour les fixations d'amorceaux. Donc c'est pas mal. Franchement, je trouvais qu'il était un peu bas. Ça le rehausse tout de suite, donc c'est sympa. Après, c'est bien suspendu d'origine, donc voilà. Franchement, je suis assez, comment dire, assez impatient de l'essayer. Donc voilà, c'est pour ça que on va essayer de faire une petite révision rapide et comme ça, si on peut aller essayer sur le terrain, et ben on va le faire. Donc je vais sortir les pièces pour voir. Moi j'ai commandé des pneus, des nouveaux pneus, des 8 fils. Bon, Louise, le seul souci c'est que pour l'instant j'arrive pas à dévisser les exas sur les autres, donc on va voir. Pour l'instant j'ai pas de clé où je peux forcer dessus et j'arrive pas à passer mon cliquet ou même ma clé, une clé pipe en 17 là que j'ai, j'arrive pas, ça passe pas. Donc on va voir. Donc j'ai commandé des nouvelles noix, voilà la référence, parce que après le premier contrôle, je me suis aperçu qu'elles étaient bien bien mangées sur le max. Donc 4. Hein. Toujours un petit clutch drive, je préfère l'avoir. Donc on verra en démontage. Le skid, ouais, franchement ça vaut rien, ça vaut 8 euros. Et à pare-choc avant parce qu'il était rincé quoi. Les triangles on verra par la suite. Et donc voilà le kit pour le bac à batterie. Donc on va voir.
Bon, on va reprendre le max. Voilà. Donc, comment il se présente? Ok, il va aller comme ça. Ça marche. Bon, ben, on va attaquer le démontage. Ouh, il y a quand même. D'accord. Ah, c'est pas mal. Donc là, il y a deux vis hein, pour le support en haut. Là, je vois la vis du cerveau aussi. Ouais. Là, on va mettre de côté. On va le retourner. Voilà, si on a le temps encore, je vais montrer les supports pour les amorteaux devant. C'est une petite vidéo rapide. Je suis en poste le matin et je me suis réveillé tôt. Impossible à me recoucher, à me rendormir. Donc, comme c'est comme ça, on profite un peu du temps qu'on a devant nous. Voilà. Bon, normalement, si je me trompe pas, ça devrait venir. Voilà. Donc à côté, hop, ça tient un petit peu avec la tourelle. Voilà, oh, pousser, ça se fait super bien, hein, franchement. Ouais. Bon, bien sûr, c'est rapide. C'est vraiment une modif que je fais rapidement parce que de toute façon, il va être démonté. Mais l'avantage, c'est que cet après-midi, il fait pas trop mauvais. J'ai un peu de temps pour moi, donc si j'arrive à les rouler, ça serait pas de refus. Voilà. Juste à blanc, comme ça je vais reprendre ma DXL. En plus, ça c'est vraiment les grosses. Vous savez quoi? C'est nickel. Même comme ça, franchement, c'est top. C'est tip top. Bon, elle est bien. Et bien dedans. Voilà. Enfin, ça, elles sont vraiment très grosses, même dans le bac à batterie du X-Max, j'ai dû le rehausser légèrement. Donc, mais c'est génial. Donc, hop, ça, c'est les vis pour en dessous. Tac. Alors, on va remettre la vis du cerveau. Donc ça, c'est les vis qui reprennent les tourelles. Bon, ben. Charles, si tu fais tomber les vis, ça va pas aller. Voilà.
franchement, le kit est complet, c'est super. Surtout si vous utilisez un tournevis électrique, ne forcez pas. Hein. Voilà. Privilégiez ceux qui n'ont pas trop de couple. Et puis au pire, un petit serrage final à la main, c'est génial. Et donc là, c'est pareil, ils fournissent deux vis qu'il n'y a pas d'origine là. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop. Donc là, c'est pareil. On va faire comme ça. Voilà. On voit bien la différence entre les vis d'origine et les nouvelles, quoi. Pour aller chercher les fixations. Il est là, mon tournevis. Pour l'instant, les skids, je ne les change pas. Parce que, comme dit, vu que j'ai prévu une grosse révision et tout ça, je vais les laisser. Je suis en train de me demander les triangles si je les laisse ou quoi. Ouais, je pense on leur donnera un petit coup de propre. Après, ils sont pas, je vois pas de fissures ou quoi. Bon, ils ont bien, ils ont souffert, mais voilà. Après, c'est fait pour, hein. Ben voilà, donc c'est pas mal, c'est super. Bon, ben on va attaquer alors. Si vous voyez un peu, non. On va bouger un peu la caméra, je suis désolé, je vais la descendre un petit peu. Voilà, on va accrocher encore un peu là. Tac, pardon. Donc on va sortir. Donc en fait là c'est pareil pour les triangles, ça se présente. On a des petites pièces en alu avec de la visserie. Bon, ça c'est une vis que j'ai. Et donc c'est pareil. Hein. C'est super rapide à faire. Bien sûr, il y a un sens. Hein. Le seul truc un peu embêtant, et encore, c'est qu'en fait, par rapport à l'origine, faut passer, voilà, pour fixer l'amortisseur, faut passer par l'arrière. Voilà, 2 minutes, c'est réglé. Ouais, je sais pas si on va bien le voir à la caméra.
Mais on a gagné un petit peu, c'est pas énorme. J'arrive pas bien à vous montrer, je suis désolé. Est-ce que comme ça on va voir mieux? Ouais, c'est pas génial. On gagne un petit peu en fait. Bon, on ira, on pourra vraiment pas aller plus loin, mais c'est pas mal du tout. Ça permet de gagner quoi? Un centimètre? Un ou deux centimètres? Mais voilà, c'est top quoi. Bon, on va faire l'autre côté vite fait. Et voilà, comme ça cet après-midi, sortant du boulot. Si le temps le permet, on ira rouler. Voilà, donc normalement je vais essayer de faire une vidéo du roulage. Voilà, en 10 minutes, on fait l'avant et l'arrière. Et voilà, il est un peu mieux suspendu. On va remettre donc toutes les vis ensemble. Et voilà. Je vais reculer un petit peu. Moi, je suis désolé. C'est encore l'établi provisoire. Attends que je finisse l'atelier. Voilà. Franchement, je sais plus. J'ai l'impression que ça lui change le comportement de la suspension. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas mal de contraintes. Il est plus dur devant et mou derrière. C'est bien, j'aime bien. Allez, batterie, c'est top. Top, top, top. Je vais voir si la batterie pour celui-là a fini. Ça sera bien. Mieux dans le sens là, voilà, là ça sera mieux. Une petite mousse et on sera pas mal. Voilà. Voilà qui est pas mal. Le petit adaptateur. Et on sera bien. Donc voilà, c'est pareil. Ça, ben quand on fera la révision, je ferai la révision complète. Je changerai les XT90. Nous on tourne quand de C5. Bon après voilà, c'est chacun ses choix, mais
C'est l'habitude en fait. On a commencé avec des Arma. Et les Arma, ben, c'était des EC5. Donc on a des EC5 partout sur les batteries. Donc on fera ça. Donc voilà. Merci. Et voilà, c'était un petit chantier rapide. Pour pouvoir aller rouler, essayer cette petite pécane là. Et la tester un peu avant de la démonter complètement. Bon, c'est pareil, les roues, c'est pas génial. Les mousses, pourtant c'est des Louise, mais ouais, je sais pas. On verra. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. À la prochaine.